Let's go, pal. Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue à la playroom sur l'épisode de Fallout 4. Donc chers amis, vous voyez que j'ai pu améliorer un petit peu certaines petites armes de Valentine. En tout cas celles qui méritaient d'être améliorées. J'aurais aussi donné des noms pour se rappeler que c'est les siennes. Comme ça on fera attention à ne pas les vendre, à ne pas les récupérer en cas de pépin. Je pense que je vais lui mettre cette arme-ci. Hein, ou celle-ci peut-être. Celle-ci. Hop, voilà. C'est que moi je retrouve ma mobilité. Je vois que j'ai aussi énormément de place de prise, je ne sais pas par quoi à vrai dire. Je sais que j'ai une chier d'armes sur moi, dont beaucoup que je n'utilise pas. Le lance-flamme par exemple que je n'utiliserai pas. Le lance-glaçon que je n'utilise pas du tout non plus. Le lance-missile que je n'utilise pas souvent. Donc je pensais peut-être en ranger certaines on va dire. Celle-ci que je n'utilise pas du tout, le pistolet lance-fusée que j'utiliserai qu'à la fin je pense. Donc je pense que je vais en ranger quelques-unes. Hop. Ainsi qu'on avait dit le lance-missile. Ce qui me forcera à utiliser le Fatman un peu plus souvent. Donc j'avais déplacé cette armure, chers amis. Vous voyez qu'on n'a pas le casque encore de l'armure XE01. Je pense que je vais essayer de me renseigner sans trop me spoiler sur où est-ce qu'est le casque, histoire d'avoir l'armure complète. Cette puissance vous montez à la tête. Hein. Hop. On se pose ici. J'ai envie de voir donc ce que cette armure a dans le ventre, entre guillemets. Fabriquer. Hop. Alors. X0 droit. X01, pardon. MK1. MK2. Donc il va me falloir des rangs d'armurier. Ça, c'est pas prévu pour l'instant. Hop. Peinture militaire. Anti-explosion et prismatique. Protection IEM X01. Corps aux vêtements thermiques. Ah, on a un paquet de petites choses assez anodines. Hein. Enfin, qui ne sont pas justement anodines. Bras gauche, donc point rouillé, bracelet optimisé. J'ai curieux de voir ce que ça donne ce truc-là. Je l'avoue. Par contre, il va vraiment falloir qu'on la repeigne. Et on n'aura pas ce qu'il faut au niveau adhésif, au niveau intégralité de nos trucs. Hop. Ah, je veux le rester en MK2, il manque de l'adhésif. Ok. Donc voilà. Bon, on va l'améliorer au fur et à mesure. Une fois que plus j'aurai d'adhésif, plus j'en mettrai. Forcément, vous voyez déjà que ça s'est grisaillé un petit peu. Ce qui est toujours mieux que la version hyper rouillée. Bon. Alors, niveau plage, 249 sur 335. C'est bon, on a un petit peu de place. Vous leur avez réglé leur compte à ces pillards? Je vous ai débarrassé de ces pillards. Vraiment? Eh ouais. C'est le genre de nouvelles que j'aimerais entendre plus souvent. Ah, je me doute. Merci. Alors, maintenant, données. Divers, parler à Nick. Ah oui, parler à Nick. Nick? Vous savez quoi? Depuis notre conversation, je me sens pleine. Parlez. Nick. Je vous donne un sanctuaire paré pour l'avenir. Oula. Vous avez raison. J'aurais dû vous tuer quand vous étiez encore au congélo. What the fuck? Nick? Je sais que j'ai affaire à Kellogg, mais... Nick? Vous êtes toujours là? Hein? Qu'est-ce que vous racontez? On aurait dit Kellogg. Vous avez parlé comme Kellogg. Sans blague? C'est vrai qu'Amari a dit qu'il pouvait rester des résidus mémoriels. En tout cas, je me sens très bien. Il est temps de mettre les voiles. On va l'emmener. Allons-y, Nick. On n'a pas eu le temps de s'ennuyer, tous les deux. Je me demande ce qui nous attend, maintenant. Je préfère avoir un œil sur lui. On voyait Kanigua nulle part. Kanigou. Kanigou est une maintenant plaie. Maintenant que vous avez corrigé les pillards... Je vais pouvoir travailler tranquillement. Allons-y. Viens, mon grand. Il est temps d'y aller. Envoyez Nick Valentine. Ah, il a bugué. Bon, je vais devoir réutiliser mon mode. Alors. Si je me trompe pas. Cette console scope quest
Nick. Alors, il a fallu que je le touche, que je le visualise, pardon. Merde, il est derrière le mur, fais chier. Hop. Voilà. Hop. Force ref into alias Nick. Set player team mate 2. Est-ce que ça marche? De tête, hein. Oui, ça a l'air de marcher, parfait. Canigou, parfait. Bon. Alors, on n'a plus qu'à y aller. Ok, donc on a la mer luminescente. On a un problème de goût, la Somerville Place. On a l'allée du pendu aussi. Faudrait que j'aille le faire, ce truc-là. Et retourner au commissariat. Ah oui, alors ça m'a dit d'aller vérifier un truc dans le... Enfin, d'aller regarder un truc là-dedans. Structure, dans fabrication, c'est ça, on m'avait dit, je sais plus. Redites-le moi dans les commentaires, ceux qui comprennent en fait doivent savoir de quoi je parle. Enfin, doivent savoir de qui je parle surtout. Ça doit pas être là-dedans. Défense peut-être. Ça doit pas être là-dedans. Vous êtes sûr de pas vous planter les gens, parce que on m'a donné des conseils, des astuces, des machins, des bidules. Il y a une télé. Ah non, une boîte lumineuse. Haut-parleur amplifié. Terminal. Balise de radio recrutement. Lumière. D'accord. Connecteur. Bah non, y'a rien. Vous êtes sûr? Peut-être pas pour tout de suite, hein. On me donne des conseils, des astuces, de me dire d'aller vérifier les trucs dans les trucs électricité, tout ça. Soit disant, il va y avoir un truc complètement hors du commun qui devrait y être. Bah, j'ai pas vu grand-chose d'hors du commun, à part la balise de recrutement, là, et le haut-parleur. Bon. Secret de brasserie, gna gna gna. On va aller là. En espérant qu'il n'y ait pas trop de ghouls dans le coin. Hop. On va aussi en profiter pour faire un petit tour quand on sera. Vous savez, un tour sur le même. Quand on sera arrivé pour voir si il y a. En l'occurrence, s'il y a des zones qu'on n'a pas découvertes. Et avant d'aller faire la quête, on ira faire ces fameuses zones. Histoire d'être sûr d'avoir tout ce qu'on peut trouver dans le coin. Alors. Bon, lui, il est bel et bien. Il y a des chiens de choses qu'on n'a pas faites. Eh ben, on y va. On a trop de balles de ce truc-là. Là, on en a pas assez. Et là, on en a pas autant que j'espérais. Et là. Hop, on en a un petit peu. Alors, pas de ghoul, rien. Vous collectionnez les cochonneries maintenant? Oh, et tu te calmes? Non, ça en a fait du bruit. Oh, une porte. Bâtiment administratif universitaire. Ah oui, toute l'université, on l'a pas faite. On va la faire. C'est parti. What? Ça sert à quoi que je passe par une porte si vous passez par l'autre? Bande de nazes. Alors là, il y a un coffre. Avancez. Hop, ça c'est fait. Génial. Je prends pas l'arme, hein, comme vous le savez. En retard, pourquoi pas. D'accord, toilette dame. Y'a pas de steam pack. Je suis rentré par les toilettes hommes. Ok. C'est pas de la céramique ça? Ah. Hop. Ok, on continue.
La fosse Mori. Livre en retard. Hop, Nuka-Cola Quantum. Et un petit peu de chips. On progresse. Poussez-vous! Novice. Alors. Ouais. Pas moyen de passer, on remonte. Alors, bonjour, bonjour. Non, Cambridge, non, putain. Cambridge. Et ça mène forcément nulle part. À part une espèce de relais. Est-ce que je dois les casser? Je sais pas. Pour l'impression. Hop, on recharge et on repart. Alors, waouh. C'est marrant. Je suis persuadé que je viens pas de là, c'est marrant. Ah si, putain, je pensais que c'était pas si sombre. Ouvrir Cambridge. D'accord, y'a que Cambridge ou Cambridge ou Cambridge. Pourquoi pas. Eh ben on y va. Donc on m'avait prévenu qu'il y avait beaucoup de bâtiments qui étaient un petit peu inutiles comme celui-ci. C'est presque un peu dommage. Il y a un bureau avec... Pourquoi il m'attaque pas? Je vais cependant buter la mouche bouffie. La loi et l'ordre ont Merci. Triomphé. Non mais c'est que t'es efficace en plus. Protéger et servir. Protéger et servir. Bah j'ai pas t'embêter, tu sais quoi. Merde, être un mec sympathique. Alors il me semble qu'il y avait normalement. Bonjour. La libération du Commonwealth est une énorme responsabilité, mais on y arrivera. Ces trucs ont des mandibules énormes. Faites votre boulot et taisez-vous. Où est-ce qu'elle est là, d'ailleurs, l'école? Cafétéria de la campus, bureau juridique de la campus. Du campus, pardon. College Square. Cafétéria. On va aller au cafétéria. À la cafétéria, pardon. J'aurais peut-être pas dû faire un chargement. Ça valait peut-être pas le coup que je fasse un chargement. Bon. Alors, est-ce qu'il y a des ghouls dans la cafette, ça serait cool. On y est. Waffles. Alors. T'es sérieux là? Vous êtes sérieux? C'est une fausse porte. Cambridge Diner, d'accord, c'est une porte buggée en fait, c'est pas une fausse porte, c'est une porte buggée. Pourquoi pas? Oula, vu le bruit. Non? Wow. Il est cool ce jukebox, eh. Toilette dame, bonjour. Merci pour la boîte à café Canigou, c'est sympa. Donc on peut pourtant sortir par là, mais on peut pas rentrer par là en fait. Ça okay. Vous branche les antiquités, hein. tu la boucle. Il aurait un minimum de respect pour ça moi, il dirait pas ça, parce qu'il sait très bien que je viens d'une époque où c'était pas des antiquités, c'était des trucs de mon époque.
Merde. Ça te branche l'électricité? Hein? Oh pardon, t'es un robot. T'es pas humain. Au fait, c'est quand la dernière fois que t'es tombé amoureux? Pardon, t'es un robot, t'es pas humain. L'amour, tu sais pas ce que c'est. Tiens, il n'y a rien dans ces bâtiments. Kenigou, j'ai dit pour ouvrir la porte. Il y a un super truc là. Mais à part ça, il n'y a rien d'autre. Ok. On continue. Peut-être qu'on finit par trouver un bâtiment avec des choses dedans. On n'en sait rien. Alors juste pour voir, est-ce que le fait d'en faire le tour... Non, ça ne les note pas comme terminé. J'entends que ça tiroille, mais alors pour savoir où et ce que c'est... Aucune idée. Bureau juridique. Oula. Quand même pas moi qui les ai butés ceux-là. Note d'intervention. Alors. Ok. Oh, que t'abuses trop de la pâte alimentaire qu'on a trouvée dans cette école de Suffolk et elle te fait pas du bien. Vieux. Vraiment pas, tu dis genre que t'as la moindre occasion, t'as tout le temps ce regard fou, t'as même tiré sur des gars qui s'enfuyaient quand on attaquait cette ferme. On tue pas les gens qui fuient, on vaut mieux que ça. Je sais que t'adores cette pâte, mais ça vaut pas le coup, sérieux, je suis obligé de te dire tout ça par écrit, parce que j'ai trop peur que tu me descendes. Si je viens te le dire en face, on est tes potes, on veut pas te voir t'engager dans la mauvaise voie, arrête la pâte, vieux. La pâte. Oh merde, il mangeait des pâtes. Manger des pâtes, c'est pas bon, pâtes comestibles. Oh. Pâte comestible, c'est quoi ça? Effectivement, c'est très bizarre. Et au niveau des options, ça donne PV plus PV endurance, d'accord. Ok. Le truc juridique doit être dans ce bâtiment-là, non? Hein? Merde, c'était quoi ça? Ça devrait pas être long. Hop. C'est une fille qui aimait bien les queues de billard. Le problème, c'est que sur la carte, c'est pas extrêmement précis. Qui c'est par là? C'était ce bâtiment-là? Non, ça c'est le CIT. Alors, ça doit être ce bâtiment-là. Est-ce qu'on peut encore y monter d'ailleurs dans ce bâtiment? Zéro ascenseur. Faire le tour, hein. Apparemment, non. Mur invisible. Oh, t'es sérieux? Où il est l'insecticide? Et sans transpirer une goutte. Remarquez, c'est pas comme si c'était possible. Voilà, ben il marche bien. Dégoule. Il y a quelque chose dans les parages.
dirais qu'on n'est pas seul. Ok. Les autres. Bien joué, Canigo. Tant qu'on s'en sort. Hop. Scotch de qualité militaire. Ça, c'est bon. Trop lourd pour être transporté, tu m'étonnes. Aïe! Saloperie de cannibale. Et putain, mais vous l'avez même pas vu? Ils embêteront plus personne maintenant. Ok. Là, le fameux hôpital. Je crois. Plus qu'à trouver la porte d'entrée. Oh non, on me dit pas que c'est encore un machin vide. Ah, attendez. Loqué. Oh la gueule, il y a des portes qui bug. Hein. Ok, oui, je l'ai carrément fait de l'autre côté en fait. Ok, c'est cool. Donc je vais arriver derrière les ennemis en fait, c'est ce qu'on est en train de me dire. Hôpital Kendall. Hop, du coup je note. Par derrière. Hop, pourquoi je prends des rads? Pourquoi je prends 6 rads par seconde? 17 rads, ah d'accord. Effectivement. Hein? T'entends quelque chose? Oui, c'est sans doute mon Pip-Boy, t'inquiète pas, c'est rien. Chose. Vous avez de drôles de goût, vous. Oh merde. Qui? Y'a plus rien. T'en penses quoi? J'sais pas trop. Génial. Je me suis bouffé une quantité de rad complètement incroyable. Tout ça pour arriver donc dans une porte buggée. Passer à travers une porte buggée, se bouffer des rads et arriver derrière une porte qui soit inouvrable. Donc d'aller voir moi entrer dans ce bâtiment pour autant. Pas par là. Il faut trouver. Ce bâtiment a une entrée. Laquelle, on sait pas. Celle-là. Mais voici une porte à nouveau buggée. C'est un endroit où on peut trouver des médocs. Alors j'avais entendu parler de ce bug, de ces bugs. Je pensais pas que c'était comme ça. Un instant, je vais faire une sauvegarde automatique. Hop, et je vais recharger. Voilà, re, chers amis, vous voyez, ça passe là. Hop. Alors. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Bon, vous savez quoi, on va y aller en mode bourrin. Qu'est-ce que... C'est rien ça. Novice, terminal nécessaire. Ou la porte ici. Terminal. Hein? Hop. Weak. Faible. 12. Enfin, dose. Hook. Non, rien de tout ça. Bon. Soyons un peu plus sérieux alors. Hop, sit. Non plus. Self. Génial. The self. Comment distance de la porte? Ouvrir la porte. Y a quelqu'un derrière la porte d'après vous? Non. On va s'éclater. Quelqu'un approche. Oh ouais. Je crois qu'il en reste plus. Hop, bah alors. Qu'est-ce que... Je crois qu'on n'est pas seul. Bon, j'aimerais bien virer ce machin là, moi. Du coup, au final, la porte ça m'a servi à rien, quoi. Une mine à capsule. Pas ma première bagarre, minable.
Oh merde. C'est quoi ça? Agent du réseau du rail. Je sais pas où ils sont. J'y vois plus rien. Finira bien par être à court de munitions. Hop, et deux. Hein. Ça devrait pas être long. J'aurais essayé. C'est fini. Deux. Fais tes prières. Lâche-moi. Bien joué, Canigou. Bête, vous commencez à devenir copains. On joue à cache-cache. Ah, hop. J'ai morflé. Rien du tout. Bête, vite fait. On dirait bien qu'ils se sont fait la malle. C'est pas qu'ils se sont fait la malle, c'est qu'ils sont un peu morts, quoi. Ok, alors là on a quoi? Dégage. Ok, on a une chier de cadavres. C'est un endroit où on peut trouver des médocs. Et des armures assez moches, hein, je dois l'admettre. Et ils avaient rien d'autre sur eux, donc ils ont été pillés avant. Ou dépouiller si vous préférez, chers amis. Hop, des nounours. Ça a dû être un vrai asile de fous après les bombes. Je confirme. Il y a un pistolet 10 mm dans le truc, je le prends. J'avoue ne pas avoir eu envie de le prendre, mais bon, c'est pas ce que je voulais faire. Récupérez tout ce que vous pouvez, ça peut toujours servir à quelqu'un. On y va alors. Activation. Un peu de bol, ce sera un légendaire. Protectron au rapport. Protéger. Non, même et pas. Servir. Pas une porte ça. Yo. Je prends. Les débris de la tourelle qui sont là-haut, donc je pense qu'on peut l'atteindre. Je la prends aussi. Les autres liquides, je reprends encore. Établi des armes, non. Alors. Avancer. Hop. Ouais. D'accord, je vois ce que c'est. C'est notamment là d'où on vient. Moi, j'aimerais monter à l'étage si possible. Bah c'est par là tout simplement. Alors je vois de la... Hop, du champignon luminescent ici. Hop, du jet et des mantas. Il aurait très bien pu y avoir du monde devant, il n'y en avait pas. Ok, on continue. Hop. Hop! Voilà, ça marche. Essaye de voir si tu peux pas en ranimer un ou deux. Je les sors des fois qu'il y a quelque chose dedans en fait. Mais non, il y avait rien. Je m'en doutais un petit peu, je l'avoue. Alors. Bec benzène. Oh, tiens, il y avait un mec ici. C'est vrai que ça peut servir. Les steampacks, oui, toujours, mon pote. Peut-être temps que tu commences à le comprendre. Juste pour voir aussi. Ça explose. Ok, c'est bon à savoir. Le sujet semble être décédé. Oui, je sais bien qu'il est décédé malheureusement. C'est pour ça que je fais appel à toi. Ok, on va prendre l'ascenseur, on va voir ce qu'il nous emmène. C'est parti.
Allons-y. Les goûts, tu viens. Hé. Hey. Là. Par ici. C'est pas grave. Ah bah, casse-toi, t'as raison. Bah, écoute, ah bah, vas-y, crève. Crève dans l'ascenseur. Ok, bon, la suite. Sixième étage. Sixième. Ça fait beaucoup d'un seul coup. Peu beaucoup d'étages là d'un seul coup. Tiens. Compact fusil de chasse. La clope est encore allumée. C'est plutôt bon signe. Ok, on y va. Alors, la tourelle doit pas être très très loin. Quoi? Oh putain, pas moyen! Alors on joue la fille de l'air? Sans déconner. Il y avait personne. T'as pas le droit de crever! Bah si, c'est moi qui ai pas le droit. Appelez, au suivant. Je t'ai vu, tu sais. Ok, on y va. Donc oui, dans le précédent épisode, je parlais de lag. En fait, les lags venaient du fait que pendant que j'ai essayé de retrouver je sais plus quel personnage, j'ai appuyé sur... J'ai lancé Fraps en fait. Et j'avais Shadowplay de qui tournait. Du coup, ça, Fraps a pris beaucoup de ressources. Pour rien. Pour rien du tout. Ok, ça c'est violent par contre. Hein. Coucher le chien. What? Voilà. Est-ce que quelqu'un veut négocier? What the fuck? Oh, les malades mentaux! Qu'est-ce qu'ils ont fait à cet hôpital? Porte déverrouillée avancée, parfait. Hop. C'est bon. Qu'est-ce qu'il y aura par là? Oh. Récent. Des tourelles encore. Canigou. Hey. Hop, j'aimerais te donner des choses, Canigou. En l'occurrence, j'aimerais te donner la batterie de fortune. Voilà, déjà ça, ça fait du bien par où ça passe, ça. Faut aussi qu'on pense à améliorer l'armure de Kellogg. Ça pourrait être cool. J'aimerais reprendre mon flingue, parce que mon flingue est cool. Hop. Hop. Faire attention à tous les cadavres qu'on va retrouver. Faut qu'on retrouve l'ennemi légendaire. Porte avancée. Ah merde. Voilà. Génial. Hein? Oh putain, tu vas me payer. Ça devrait pas être. Hop. Pillard crasseux. Oh, tu pues, toi. Oh, qu'est-ce que tu pues.
Ok. Là-dedans, peut-être. Oui, quelque chose. On va pouvoir t'en sortir, hein. Je crois pas, je suis certain que je vais m'en sortir. Pas pareil. Oh, là le légendaire. Réduit les dégâts des animaux. Naze. Tu vois plus personne. Oh, c'est bête. Moi, cependant, je sens que j'ai bientôt te voir. Oh, des munitions. Ça sert à rien de se cacher. Ce sera bientôt fini. C'est bientôt fini. Alors là, tout est relatif, hein, de ce côté-là. On en reparle dans 2 minutes. Hein. D'accord, c'était par là. Aucun signe. Ah non, c'était pas par là. Vous collectionnez les cochonneries maintenant. C'est quoi ce bordel ? Nick ? Qu'est-ce qui t'est arrivé la dernière fois que je t'en ai parlé ? De tes foutues cochonneries. C'est que dalle. Merde, c'était quoi ça ? Alors comment qu'on descend ? La question du jour, c'est comment qu'on descend ? Pas d'ascenseur. Ah, peut-être par là. C'est rien. Non ? Enfin, je crois. Ah oui, d'accord. Salut copine. Oh, bien joué. Oh, c'est bête. Ce qui t'est arrivé, c'est vraiment bête. Boum. Bébé. Un stylo. Des caisses. Ok, là y'a rien. Rien non plus. Le jackpot. Ça devait être la cabane du chef, ça. Hein. Bon, la dernière, je vais pas la prendre, ça vaut pas le coup. Ça, je prends. Ça vaut le coup. Alors. Il y a un objet de descendre sans pouvoir remonter, sauf si. Wow, arrêtez vos conneries, bon, c'est pas grave. Alors, où est-ce qu'on est ? Dans les profondeurs insondables. D'accord. Voici la fameuse porte. Merde. Y'a rien. Quoi ? Prends ça. C'est tout. Non ! Non ! Putain, je vais crever. Ah, j'ai pas fait de sauvegarde. Attendez. Sauvegarde auto. Oui, oui, oui. Je suis balèze ou je suis pas balèze. Mou du gland. Hein ? Wouhou ! Hop ! Énergie ! Fou ! Ça n'est pas venu à l'idée une seule seconde qu'il puisse venir, lui. Oh, la gueule ! Salaud ! Ça faisait une chaille que j'avais pas sauvegardé en plus, je m'étais en train de me dire c'est bon, c'est la merde. Mais non. Par contre, ce qui me fait plus chier, c'est toutes ces rades. Bah alors. Voilà, t'es mieux comme ça.
Il est cool ce flingue au final. Hop. Hop. Il y a rien d'autre par là. 19 rades avant qu'on crève. Vite. Hop. Voilà. Bon. Eh bien écoutez les amis, sur cette surprise qu'on va se laisser. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la pouce-vériser, la commenter, la partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam Joueurs de la Pérou, dont vous retrouvez le lien dans la bannière de la chaîne. N'hésitez pas à cliquer dans le descriptif de l'épisode vers mon partenaire GamesPlanet.com qui m'a gracieusement offert le jeu, ainsi que ainsi que Mad Max et Star Wars Battlefront. Encore une fois, merci à eux. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens.